installe maintenant la MySports. Certitude pour la fin de saison ont été contre des équipes du bas de classement. C'est parti pour cette rencontre avec lui à faire l'arrêt. Un peu qui reste vaudois pour le moment. Avec une tentative de Daniel Odette là, qui a fait le tour de Michael Hugli avec l'ouverture du score. Signé Guillaume Maillard sur ce travail en forecheck finalement de Michael Hugli qui est allé chercher ce puck dans l'arrondi pour remettre ensuite à un Maillard tout seul dans l'enclave devant Luca Boltzhauser. Et pour Maillard, c'est son premier but de la saison sous le maillot Emmentalois, sous le maillot lausannois. Lui qui en avait déjà marqué deux avec le HC Vienne lors de son premier. Qui revient à Genazzi. Le tir. Et c'est but pour le Lausanne Hockey Club. Est-ce que ça a été touché avant d'arriver jusqu'à Boltzhauser? En tout cas, le tir de Genazzi était pour une déviation. Et un très bon départ là pour le Lausanne Hockey Club avec une deuxième réussite assez rapidement dans cette première période. 87-19-79. Et c'est bien touché par Marco Pedretti qui de Thierry Paterlini qui s'installe dans la zone vaudoise. Cadenau qui cherche Pascal Berger, la déviation et là. Il va permettre à Langnau de se dégager, puis surtout à Lausanne de rejouer rapidement sur l'Autrichien qui était resté à la ligne de Hamantas. Raffole face à Boltzhauser. Boltzhauser du patin qui peut écarter le puck de Sarella. Ria Fuchs, un petit peu de place là pour Jason Fuchs. Il a ses catchs avec lui, Fuchs du revers, Boltzhauser qui relâche. Et Sarella dans la précipitation qui met ce puck sur Gernat. Ria Gernat, c'est bien vu pour ses catchs qui se présente seul face à Boltzhauser qui a le dessus de Boltzhauser. Pessonen, Michaelis, Zril en bonne position. Conseil, mais ce serait bien de commencer déjà maintenant à préparer le match de demain. Beson, c'est bien vu, c'est 3-0 avec une réussite signée Ken Jaeger sur le rebond du tir de Tim Beson. Le sixième pour de la saison pour Ken Jaeger. Ah, qui file. Là, on revoit hein, la montée de Beson qui prend ce tir pour rebond sur la jambière droite de Boltzhauser. Accepté par Frick qui décide de viser dans l'axe. Et ce sera le 4-0 signé Jiří Sekáč dans la cage vide. Soulagé hein, d'avoir marqué quand même son dixième de la saison. Si c'est pas le plus difficile pour lui qui était bien placé. Et bon travail hein, de Lucas Frick là, qui a pu récupérer Spock pour servir son coéquipier. Il y a 2 minutes avec cette victoire lausannoise. Et peut-être une dernière action pour Rafa qui peut aller marquer le 5-0 entre les jambes de Luca Boltzhauser. Au moment où l'horloge de la Vaudoise Arena annonce 0-0-0. Alors est-ce que les arbitres vont aller voir pour savoir si le 5-0 compte ou non? C'est une bonne question. En tout cas, du côté vaudois. On célèbre déjà avec la Henri Kainen qui a clairement réussi ses débuts, même si ça n'a pas été évident puisqu'il n'a fait face qu'à 16 tirs cadrés. Et du côté du Lausanne Hockey Club, on a tiré plus de 45 fois contre la cage défendue par le portier Boltzhauser.